dans quelques minutes, mais je vois que beaucoup de personnes se connectent encore là en ce moment, donc on va laisser tout le monde arriver. À toutes et tous, merci de nous avoir rejoints ce soir. Merci à Cécile et à Valérie d'être avec nous ce soir pour cette conférence. Je vais les présenter dans quelques instants, mais avant ça, je voulais donc enfin, vous expliquer qui sont les organisateurs, organisatrices de cette conférence. Donc, c'est une co-organisation de Zero Waste France et de la Maison du Zéro Déchet. Alors, je ne sais pas si Cécile de la Maison du Zéro Déchet est parmi nous, mais en attendant, quelques petites informations techniques. Bien sûr, vous avez l'habitude maintenant, mais pendant toute la durée de la conférence, merci de bien garder votre micro éteint pour éviter les bruits parasites et votre caméra aussi. Et si vous souhaitez me poser une question, vous pouvez tout à fait l'écrire dans le fil de discussion, au fil de l'eau. On en prendra bien note et on essaiera de les restituer au mieux dans les temps de questions-réponses. Et puis voilà, si jamais vous avez besoin de prendre la parole, bien sûr, à ce moment-là, vous pouvez réactiver micro et caméra. Mais si on est très nombreux, ce sera peut-être plus facile de gérer les questions par le fil de discussion. Je vais donc donner la parole finalement à Manon pour vous dire un petit mot de la Maison du Zéro Déchet, où j'avais oublié que Cécile était sur une autre conférence, notre élément de programmation qui se déroule en même temps que cette conférence. Alors, je vais passer la main à Manon pour vous dire un petit mot de la Maison du Zéro Déchet. Oui, merci Flore. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais présenter rapidement du coup l'association La Maison du Zéro Déchet, mais sachez qu'il y a plein d'autres informations sur notre site internet pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, La Maison du Zéro Déchet a été créée en 2019 à l'initiative de l'association Zero Waste France, que Valentine présentera juste après, suite du coup au Festival Zero Waste qui a eu lieu en 2016 et qui avait suscité énormément d'intérêt, d'engouement. Donc, suite à cet événement, l'objectif de Zero Waste France, c'était de créer un lieu permanent, un lieu dédié aux démarches zéro déchet, zéro gaspillage. Et donc, ce lieu a pour objectif d'informer et de former tous les acteurs de la société au zéro déchet. Pour cela, du coup, le lieu accueille un espace boutique qui permet de s'équiper avec des alternatives eau jetable pour réduire ces déchets au quotidien. Il y a également maintenant dans la nouvelle maison du zéro déchet qui se situe dans le 12e arrondissement un café associatif avec un espace ressources dans lequel justement on peut prendre le temps de se documenter, de se renseigner sur les enjeux autour de la gestion des déchets et des solutions à la fois à l'échelle individuelle et collective. L'autre cœur d'activité de l'association, c'est la programmation événementielle, donc qui est actuellement en ligne depuis quelques mois et qui consiste en des ateliers pratiques pour apprendre à faire des produits maison, pour apprendre à réparer, pour apprendre à coudre. Voilà, tous les savoir-faire qui permettent de passer au zéro déchet, mais également tout un tas d'autres événements comme des conférences, des tables rondes, des projections débats pour informer sur les enjeux autour de la gestion des déchets et du gaspillage. Et on accueille aussi plusieurs associations qui font aussi la force du lieu grâce à un écosystème associatif dont Zero Waste France, Zero Waste Paris, le réseau Consigne et depuis peu Surfrider, voilà, qui partagent aussi cet objectif de militer et de promouvoir une société zéro déchet, zéro gaspillage. Voilà, donc si vous êtes en Merci région beaucoup. parisienne, ouais, si vous êtes en région parisienne ou pas loin, n'hésitez pas à venir nous voir ou lors de votre prochain passage à Paris, de venir nous voir dans le 12e arrondissement. Merci. Merci beaucoup, Manon. Et d'ailleurs, même pour ceux qui sont un petit peu plus loin, comme en ce moment toute notre programmation est en ligne, bah vous pouvez aussi en profiter.
Alors maintenant, je vais passer la parole à Valentine pour une rapide présentation de Zero Waste France et des groupes locaux, parce que c'est un petit peu la raison pour laquelle on se réunit ce soir. Elle va vous l'expliquer. Merci Flore, bonsoir à toutes et tous. Je suis très contente de pouvoir proposer cet événement avec la Maison du Zéro Déchet, nos intervenantes et Zero Waste France. Rapidement aussi, Zero Waste France, c'est une association de protection de l'environnement qui existe depuis plus de 20 ans et qui milite pour la réduction des déchets à la source et lutte contre le gaspillage de nos ressources. Et ce soir, en fait, cet événement s'inscrit dans l'organisation de notre université de printemps du réseau Zero Waste. Normalement, on a l'habitude de se réunir une fois par an avec l'ensemble des membres actifs et des bénévoles des groupes locaux et l'ensemble des gens qui font vivre ce réseau au quotidien. Une fois par an, et malheureusement avec le contexte sanitaire, on a dû reporter la rencontre en 2020. Et c'est encore compliqué de rassembler tout ce beau monde parce que vous allez le voir, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui composent ce beau mouvement. Donc on a proposé cette université de printemps comme alternative cette année. Donc elle a commencé lundi et tous les jours, on a quatre sessions de formation, des ateliers, des conférences, des retours d'expérience des groupes locaux. Donc on est à la moitié de cette semaine assez intense et on voulait proposer dans ce cadre-là une conférence ouverte aussi au grand public. Et donc pour vous dire quelques mots sur le réseau des groupes locaux de Zero Waste France, c'est un réseau qu'on a commencé à coordonner, à construire à partir de 2015 et à ce jour on compte plus de 120 groupes locaux. Il a grandi très très vite en quelques années, plus de 120 groupes locaux répartis un peu partout sur le territoire comme vous pouvez le voir sur la carte, y compris dans les Outre-mer. On a des groupes locaux en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti et le réseau ne cesse de grandir. Donc les groupes locaux Zero Waste sont constitués de citoyens comme vous et moi qui œuvrent pour mettre en place la démarche Zero Waste, zéro déchet à l'échelle de leur territoire, via des actions de sensibilisation, de plaidoyer local. Voilà, c'est un beau réseau qu'on coordonne avec Zero Waste France. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions là-dessus, à nous contacter. Si vous souhaitez rejoindre un groupe local aussi, à les contacter directement. Et si vous souhaitez monter un groupe local parce que vous avez envie de passer à l'échelle collective et que vous voyez qu'il y a un petit trou sur la carte, eh ben, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. La liste des groupes locaux est disponible sur le site Zero Waste France si vous voulez en chercher un près de chez vous. Merci beaucoup Valentine. Alors, je reviens à nos invités, Cécile et Valérie, si je trouve la bonne diapo. Voilà. On a grand plaisir d'accueillir Cécile et Valérie ce soir pour discuter du sujet de la déconsommation qui fait l'objet d'un livre tout juste paru et dont Cécile de Sonnet est l'autrice, l'auteur. J'ai encore pas choisi le mot. Alors, je vais vous en montrer la couverture, mais qui est passée un peu plus loin. Voilà. La société de déconsommation, la révolution du vivre mieux en consommant moins. Ça va faire l'objet de la première présentation donc de Cécile pour débuter cette conférence. Je la laisserai donc définir elle-même le terme de déconsommation et lancer le débat. Et puis ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre Valérie Guillard en réaction au sujet de la déconsommation, qui a coordonné l'ouvrage Du gaspillage à la sobriété, qui est enseignante chercheuse et qui travaille depuis plusieurs années sur cette thématique du gaspillage et surtout sur les comportements qui sont liés. Donc nos comportements à nous de citoyens consommateurs face à cette question du gaspillage et des déchets. Donc merci encore à toutes les deux de nous avoir rejoints. On est très, très heureuse de pouvoir organiser ce débat. Et je vais donc tout de suite passer la parole à Cécile.
Je vais donc couper la présentation et donc on va garder nos caméras activées ou pas, enfin selon les prises de parole. Et en tout cas, Cécile, voilà, je te laisse débuter. Ah, j'ai oublié de préciser une petite chose, c'est que donc on va laisser Cécile faire ce premier exposé, ensuite prendre donc c'est Valérie qui prendra la parole, mais on pourra évidemment prendre quelques questions. Plutôt des questions de précision par rapport à ce qui a été dit. Et puis ensuite, on organisera un autre tour de questions, plutôt de l'ordre du débat. Voilà pour ceux qui voudraient réagir. Cécile, je te laisse la parole. Ça marche. Merci Flore et bonsoir à tous et toutes. Et merci beaucoup pour cette invitation. Comme l'a dit Fleur, donc je vais vous présenter non pas tout le livre, je ne vais pas parler pendant une heure, mais plutôt me centrer sur effectivement c'est quoi cette histoire de déconsommation et notamment sur l'idée de pic de consommation que je vais vous expliquer pour lancer un petit peu les échanges et on pourra bien sûr aborder d'autres thèmes au fil de la discussion. Alors peut-être déjà un mot de contexte, donc moi je travaille pour un think tank, un centre indépendant. Qui fait de la prospective. Donc, il ne s'agit pas de regarder dans une boule de cristal ce qui va se passer demain, mais plutôt d'essayer de comprendre quelles sont les grandes tendances aujourd'hui à l'œuvre et donc qu'est-ce qui pourrait se passer demain, quels sont les différents futurs possibles. Et donc, le think tank en question s'appelle Futurible, qui veut dire justement les futurs possibles. Pour expliquer aussi que ça oriente un peu ma manière d'analyser finalement les évolutions de la consommation. Et donc, d'où vient cette histoire de déconsommation? Moi, ça fait quand même maintenant presque 10 ans que je travaille sur les évolutions de la consommation. Alors, ça fait moins longtemps que Valérie et je n'ai pas du tout la même approche. Hein, je suis beaucoup moins experte, mais c'est un sujet qui me fascine également à titre personnel. Déjà parce qu'en fait, si on regarde à l'échelle de l'humanité, l'histoire, enfin, la société de consommation, c'est une parenthèse. Hein, c'est quoi? C'est une soixantaine d'années. Donc, c'est vraiment un petit grain de riz à l'échelle de l'histoire de notre espèce. Donc, rien que ça, je trouve que ça mérite d'être questionné sur est-ce que cette société de consommation est inéluctable. Parce qu'en fait, en 60 ans, cette logique, finalement, elle a réussi à s'imposer, en tout cas dans nos pays occidentaux, comme une logique incontournable, finalement, un moteur de développement pour les sociétés, mais aussi une logique d'épanouissement des individus. Et puis, de fait, aujourd'hui, la consommation, bah, c'est 80% de nos dépenses, voire même plus. C'est plus de la moitié du PIB. Donc voilà, c'est vraiment une grosse machine. Et puis, c'est aussi une belle histoire d'une consommation matérielle qui est censée répondre à la fois à nos besoins physiologiques et puis, finalement, nous apporter bonheur, épanouissement personnel et tout y quanti. Donc, rien que ça, je trouve que c'est des éléments qui peuvent être questionnés. Et pour rentrer dans le vif du sujet, donc, en fait, en 2010, vous avez un chercheur qui s'appelle Chris Goodall qui a expliqué que lui constatait déjà un pic de consommation matérielle en Grande-Bretagne. Il disait, bah, j'ai regardé pas mal d'indicateurs et je vois que finalement, des courbes qui connaissaient une belle croissance commencent maintenant à diminuer. Donc, il prenait un certain nombre d'exemples comme la consommation de viande, de mémoire, il y avait la consommation d'automobiles, la consommation de papier. Enfin, il avait pris certains éléments assez précis. Donc, nous, à Futurible, on s'est dit, c'est très intéressant, cette théorie, effectivement, ça mérite d'être creusé. Est-ce que demain, on pourrait aller vers une société, des sociétés où la consommation matérielle diminuerait de manière durable? Donc, on a commencé à creuser ce sujet. Donc, ça, c'était en 2014-2015. Et puis, on a vu qu'effectivement, il y avait des baisses ou des stagnations de certains postes de consommation matérielle. En revanche, c'était peut-être pas aussi franc, aussi marqué que l'affirmait ce chercheur, notamment parce qu'il y avait des logiques de compensation. Par exemple, effectivement, on mange moins de viande, mais on va manger plus d'autres aliments, puisqu'au final, on mange toujours le même nombre de calories. Donc voilà, on a essayé d'approfondir un peu ce sujet, on a fait des scénarios, etc., que vous pouvez retrouver sur notre site. Ce n'est pas pour faire de la pub, c'est si ça vous intéresse. Mais bon, toujours est-il que moi, j'ai continué à suivre ce sujet. Et donc voilà, après 6-7 ans à continuer à le suivre, je me suis dit je vais essayer de regrouper tout ça dans un livre pour essayer de voir effectivement ce qu'on peut dire sur l'avenir de la consommation et si on peut envisager effectivement cette société de la déconsommation. Mon constat, ou en tout cas mon hypothèse, hein, qui mérite bien sûr d'être discutée, c'est de dire qu'il y a déjà
plusieurs tendances à l'œuvre aujourd'hui, plusieurs grandes tendances qui sont très structurantes, qui pourraient se combiner à l'avenir, s'accentuer et effectivement nous faire entrer dans cette société un petit peu alternative. Donc, je ne dis pas qu'on y est déjà tout à fait, mais en tout cas, donc, voilà, finalement, il y a pas mal d'éléments qui pourraient nous y conduire. Donc, en gros, vous avez quatre grandes tendances. La première, qui est souvent assez méconnue, c'est le vieillissement de la population. Pourquoi? Parce qu'en fait, traditionnellement, en tout cas, de ce qu'on peut observer depuis donc une trentaine, une quarantaine d'années, plus on vieillit, moins on consomme. Parce que moins on a de besoins matériels sur certains postes. Par exemple, on a moins besoin de vêtements parce que, ben, on a déjà un bon stock. Parce qu'à partir du moment où on est à la retraite, on a moins besoin de renouveler sa garde-robe. Voilà, on n'est plus dans la même approche. On consomme aussi moins de calories en mesure qu'on vieillit. On peut, voilà, avoir des dépenses comme celle-là qui diminuent. Donc, en fait, ce vieillissement de la population, c'est en tant que tel un élément véritablement structurant pour les évolutions futures de la consommation quand on sait que vous avez aujourd'hui une personne sur cinq qui a plus de 65 ans. Et donc, globalement, ces plus de 65 ans consomment 20% de moins que le reste de la population. Donc, rien que ça, je pense que c'est un élément qui mérite d'être discuté pour savoir si effectivement ces personnes âgées consommeront toujours moins à l'avenir. Le deuxième point, c'est que moi, j'ai l'impression quand même qu'on est dans des sociétés en Europe où on est saturé. C'est-à-dire que, on est maintenant assez loin des 30 Glorieuses où voilà, on cherchait, on avait besoin de s'équiper. En tout cas, les ménages s'équipaient de plus en plus sur le plan matériel, donc s'équiper en lave-linge, en télévision, en frigo, etc. Aujourd'hui, quand vous regardez les courbes, justement, on a atteint des plafonds. Donc, vous avez la quasi-totalité des ménages qui sont équipés dans ces biens de consommation courante d'électroménager notamment. Et même quand on regarde les smartphones, en fait, qui est un bien plus récent, hein, qui est arrivé sur le marché il y a une petite dizaine d'années, ben, on voit que les ventes, elles aussi, commencent à stagner, voire à diminuer, même quand on prend en compte les smartphones d'occasion. Donc ça, je pense que c'est aussi un point qui est intéressant à suivre, parce qu'à un moment, la croissance de ce type de bien pouvait être tiré par le multi-équipement. Vous aviez une télé, vous en achetiez une deuxième, une troisième, vous aviez une résidence secondaire, une télé. Mais au bout d'un moment, on voit que même ça finit par entraîner une logique de saturation et que ce n'est plus un moteur majeur de croissance. Donc finalement, pourquoi on continue à racheter quand même des équipements? Soit parce qu'ils ne fonctionnent plus, donc on est obligé de les renouveler contre notre gré, soit parce qu'on veut les renouveler pour avoir un équipement plus performant, plus joli, etc. Ou parce qu'il faut un cadeau à Noël. Donc ça, on pourra en reparler sur les tenants et aboutissants, notamment de l'obsolescence programmée. Le troisième point, je passe un peu vite sur tout ça, comme ça on pourra en discuter, c'est un élément là aussi inévitable qui est ce qu'on peut appeler de manière un peu pompeuse la sobriété contrainte, ou en tout cas tout ce qui fait aussi qu'une grande partie des ménages ne consomment pas autant qu'ils le souhaiteraient. Et donc ça, bien sûr, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas dire qu'on est aujourd'hui uniquement dans une société de la sobriété heureuse où on est tous heureux de moins consommer. Donc au contraire, vous avez quand même une partie de la population qui n'est pas du tout dans cette logique-là. Et vous avez plus globalement une société où finalement on a de plus en plus de dépenses dites contraintes. C'est-à-dire que quand vous avez vos revenus, votre salaire, tous les revenus que vous pouvez percevoir, ben, il y en a toute une partie sur laquelle vous n'avez pas la main, vous n'êtes pas libre de les dépenser comme vous voulez, parce qu'en fait, vous avez un loyer à payer, vous avez un prêt à rembourser, vous avez une voiture à faire tourner, etc., des factures à payer. Et tout ça, toutes ces dépenses qu'on appelle contraintes ou préengagées, elles ont doublé en 60 ans et elles représentent aujourd'hui environ un tiers justement de nos dépenses de consommation. Et c'est beaucoup plus élevé pour les ménages les plus pauvres, ça peut monter jusqu'à deux tiers de leur budget. Donc forcément, quand on est dans une société où on peut avoir un retour de la précarité ou en tout cas des situations de contraintes financières, comme on le voit notamment avec la crise, on sait que ce type de situation pourrait continuer à développer à l'avenir. Et le quatrième point, qui est un peu le cœur de l'ouvrage, en tout cas celui forcément sur lequel je me suis le plus étendue, qui est le fait qu'on est aujourd'hui quand même dans une crise que moi je trouve inédite de la société de consommation. Donc, la société de consommation, elle a toujours fait l'objet de critiques de nature différente, liées justement à son impact social, à son impact économique et à son impact environnemental. Mais aujourd'hui, cette crise, je trouve qu'elle est inédite, à la fois parce qu'elle regroupe toutes ces critiques, donc on la critique de manière globale pour tous ces impacts,
Et parce que elle est portée, cette critique, par un nombre inédit de personnes, finalement par une partie très grande de la population, qui constate d'une part que justement ce mythe de la croissance matérielle infinie, bah, il a quand même des contreparties environnementales, des contreparties climatiques, mais aussi plus globalement qu'à titre personnel, finalement, la société de consommation n'est donc pas forcément synonyme de bonheur, ni même de plaisir, et au contraire qu'elle peut entraîner un certain nombre de frustrations, de stress, d'angoisse, et c'est ces éléments-là que j'ai essayé de développer un petit peu dans le livre, de comprendre comment, à titre individuel, justement, les coûts engendrés, les dépenses engendrées par ce renouvellement permanent peuvent devenir une sorte d'engrenage très puissant, finalement, et très... très douloureux, comment l'accumulation matérielle, finalement, elle-même peut devenir une source de stress et d'angoisse. On pourra en reparler, mais le vocabulaire qui est associé parfois à cette accumulation matérielle, le sentiment d'étouffer finalement sous les objets, que les objets finissent par nous posséder. Enfin voilà, je pense qu'il y a une phase d'overdose, de trop, en fait, qui pose pas mal de questions. Et puis, un autre volet qui est, je trouve, aussi important, enfin, très structurant, c'est la prise de conscience aussi de tous les risques sanitaires pour soi associés à la consommation. Alors, c'est particulièrement vrai pour l'alimentation. Donc, on est dans une société où on est plus conscient que jamais du rôle des pesticides, des perturbateurs endocriniens, mais ça peut être vrai aussi pour d'autres types de produits qu'on consomme. Et donc, aujourd'hui, on est dans une société où voilà, 8 Français sur 10 nous disent que la société de consommation, c'est une mauvaise chose car elle entraîne trop de gaspillage. Alors, on verra ce que Valérie nous répond, parce que bien sûr, on est sur des enquêtes déclaratives, donc ce qu'on dit n'est pas forcément ce qu'on fait, ça ne nous engage pas forcément complètement, mais en tout cas, le fait que ce type de discours se développe, même si il n'est donc pas déterminant de nos comportements, moi je trouve ça assez intéressant, y compris ce que ça nous dit en termes de normes sociales, de comment la société voit aujourd'hui cette consommation et comment elle pourrait l'avoir demain. Et vous avez même un tiers des Français qui nous disent que la société de consommation est manipulatrice. Donc ça, c'est pareil, c'est des termes qui sont particulièrement forts, qui posent pas mal de questions. Et je fais une parenthèse sur le fait que cette critique, elle s'adresse en premier lieu envers les grandes entreprises. On est le pays au monde où on manifeste le plus de défiance vis-à-vis des grandes entreprises. Donc là, c'est pareil, si vous recoupez un peu les sources... les enquêtes qui sont faites sur ce sujet, en gros, on a à peu près un tiers des Français qui déclarent faire confiance aux grandes entreprises. Et à nouveau, c'est le taux le plus faible dans le monde, de même qu'on est les plus méfiants vis-à-vis de la mondialisation de manière générale. Et puis cette crise l'a encore démontré, cette défiance envers les grands méchants que sont les Amazon ou autres, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas acheter sur Amazon. Hein. D'ailleurs, n'achetez pas de livres sur Amazon, et on en reparlera. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, je pense que ça, c'est des éléments qui sont assez, assez structurants. Et donc, qui peuvent conduire à rechercher à réduire un peu la tension entre cette prise de conscience, ces aspirations à autre chose, et puis cette société de consommation qui est bien toujours présente et qui continue à nous pousser à consommer. Et donc, pour réduire cette tension, on a des nouveaux idéaux, des nouveaux discours qui commencent à émerger. Et le plus puissant à ce jour, c'est... l'idée d'une consommation plus responsable. Alors, la consommation responsable, ça veut dire quoi ? Elle est à double tranchant, je trouve, cette consommation responsable. C'est d'une part dire que les consommateurs ont une responsabilité justement dans les impacts négatifs de la consommation, mais aussi un pouvoir de faire différemment, d'agir différemment, et notamment, on y reviendra, de consommer peut-être moins mais mieux. On arrive à ce fameux consommer moins mais mieux, plutôt que justement être toujours dans l'engrenage du toujours plus, et notamment gaspiller moins aussi. Donc l'idée derrière, c'est quoi ? C'est d'essayer de reprendre le contrôle sur sa consommation, d'être moins un bon petit consommateur qui va suivre les publicités et puis acheter les derniers produits à la mode, mais au contraire, d'être dans une logique d'être beaucoup plus actif, d'avoir beaucoup plus de recul aussi par rapport à sa consommation, quitte donc à consommer moins, à passer aussi beaucoup plus de temps à la fois à choisir les produits, mais aussi à faire soi-même plutôt que d'acheter. Ça, on pourra en reparler. Et donc ça, voilà, c'est un mouvement, je pense, qui est quand même en train de se développer. Mais cette consommation responsable, elle regroupe finalement une très grande diversité de pratiques. Et donc dans le livre, j'ai commencé à identifier
un peu plusieurs étapes dans cette prise de conscience des impacts négatifs de la consommation et du comment on fait justement pour consommer mieux et puis peut-être un jour aussi consommer moins, voire essayer de ne plus consommer du tout. Et donc, j'ai identifié sept grandes étapes. Donc, je ne vais pas les développer ici, mais on pourra en reparler. En gros, vous avez la première, que j'ai appelée même étape zéro. De fait, il y en a huit, qui est tout simplement s'informer. Mieux s'informer sur, sur les produits, sur voilà, qui les fabrique, dans quelles conditions, quels sont leurs composants. Voilà. Donc ça, c'est l'étape finalement un peu basique, mais absolument indispensable et très révélatrice, là aussi, de cette défiance croissante des consommateurs. Ensuite, une étape sur le manger mieux, où on va retrouver notamment plus de bio, manger moins de viande, enfin, voilà, moins de pesticides. Une autre étape sur le moins de neuf, donc, qui nous concerne ici notamment dans le cadre de Zero Waste. Ensuite, le moins de déchets, le faire soi-même. La sobriété, où on se dit vraiment, là, je vais essayer de vraiment consommer moins, de me recentrer sur l'essentiel et donc de vraiment réfléchir au moindre achat et essayer de penser plus durablement à mes besoins matériels. Ensuite, une étape sur le minimalisme, là aussi, qui est un peu... enfin, que moi je trouve fascinant parce que le minimalisme, c'est de dire ma réponse à moi, individu, à cette overdose matérielle, c'est au contraire de ne plus rien posséder, de posséder le strict minimum et donc d'être dans la logique inverse. Donc, à un extrême, je réponds par un autre extrême. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette logique de désencombrement, de vider complètement son espace de vie et pour mieux finalement se libérer l'esprit. Eh ben, ça vient justement de publics particulièrement aisés, notamment vous avez des élites aux États-Unis, mais aussi au Japon, qui sont très précurseurs dans ce mouvement-là. Et finalement, pour eux, la vraie richesse et la vraie distinction sociale, parce qu'il y a cette composante-là aussi, c'est au contraire de ne plus rien posséder. Bon, avec l'idée que de toute façon, ils peuvent racheter ce qu'ils veulent quand ils en ont besoin. Donc, ça ne les engage pas tellement. Mais en tout cas, en termes de valeur sociale, de message, portée, je trouve que c'est assez structurant. Et la dernière étape, c'est celle de l'autonomie, finalement, parce que vous avez des groupes, alors certes ultra minoritaires, mais qui revendiquent hein, une autonomie complète vis-à-vis de la société de consommation, et donc de tout faire eux-mêmes, de pouvoir s'échanger au maximum ce dont ils ont besoin, et finalement, voilà, de ne plus être dépendant de cette société de consommation. Je vais peut-être m'arrêter là, Flore, j'aurais plein de choses à dire encore, mais je le dirai peut-être après, sur toutes les frustrations, les désenchantements que peuvent générer ces pratiques. Mais je vais peut-être laisser Valérie réagir. Oui, ben merci beaucoup, Cécile, parce que c'était très, très clair, très, très structuré et donc ça aide beaucoup à la compréhension. Moi, j'avais juste une petite question de précision par rapport à quelque chose que tu as dit au tout début de ton exposé. À un moment, je crois que tu as dit la consommation, c'est 60% du PIB. Ou... 55%, ouais, mais oui. Oui. Alors peut-être est-ce que tu peux redéfinir ce que tu désignes par consommation et qu'est-ce qui n'est pas de la consommation? Donc le reste du PIB, du coup, enfin, voilà, en fait, tu parles de la consommation de biens. Je parle de la consommation des ménages au sens large. Là, je ne suis pas juste sur la consommation matérielle. D'accord. La consommation des ménages au sens large. D'accord. Donc pas uniquement consommation matérielle, effectivement. Là, on prend tout. D'accord. Ok, merci pour la précision. Pour l'instant, je ne vois pas encore de questions dans le chat, mais n'hésitez pas, on les prendra par la suite. Mais Valérie, je te laisse la parole. J'ai noté que Cécile avait pas mal parlé à un moment du rapport aux objets, et donc je pense que c'est aussi au cœur de tes travaux, donc je te laisse enchaîner. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci Flore de cette invitation. Moi, je suis toujours ravie, effectivement, de parler de ces sujets passionnants et en plus, voilà, on apprend beaucoup mutuellement les uns des autres. Donc, j'ai été ravie effectivement de découvrir aussi le travail de Cécile. Donc, merci beaucoup. Il y a plein d'échos effectivement entre ce qu'a dit Cécile et moi, ce que je vais dire. Donc, c'est super, mais aussi des approches complémentaires parce qu'en fait, voilà, l'idée et ce qui est vraiment passionnant, c'est la complémentarité des approches. Alors, la mienne, effectivement, elle est plutôt liée aux relations aux objets. Moi, tout mon parcours de recherche, en fait, j'ai donc étudié les relations aux objets, donc j'ai déjà commencé par une thèse sur la tendance à tout garder, donc pourquoi en fait on garde des objets alors qu'on n'en a pas l'utilité. Et ensuite, en fait, j'ai tissé une petite pelote de compréhension sur nos pratiques,
Donc, pourquoi on vend, pourquoi on donne, pourquoi on glane sur le trottoir des objets, pourquoi on les dépose, pourquoi on se les échange, etc. Et donc, le fil conducteur et le fil rouge, en fait, de mes recherches, c'est vraiment la relation aux objets. Donc, en fait, c'est moi, c'est ce prisme-là que j'ai pris pour présenter un petit peu, notamment, en fait, une préoccupation que j'ai aujourd'hui. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur, comme l'a dit Flore, à l'Université Paris-Dauphine. Et effectivement, je travaille beaucoup avec l'ADEME. Et en ce moment, je travaille notamment un contrat avec l'ADEME et le CREDOC sur les rapports aux objets, mais surtout les rapports aux objets d'occasion. Et en fait, c'est un petit peu le prisme que j'ai pris pour ce soir. Ayant vu un petit peu les travaux regarder les travaux de Cécile, je me suis dit, ça va juste bien, effectivement, se matcher, entre guillemets, parce que cette expression anglaise. Voilà, et puis effectivement, Flore, moi aussi, est pas mal guidée sur cette idée-là. C'est un peu ce dont je vous parlerai ce soir. En effet, donc pour voir la déconsommation, moi, je pense qu'il faut un étalon, entre guillemets, et l'étalon, moi, j'ai choisi, donc c'est l'objet d'occasion. Alors moi, je ne parlerai pas vraiment de déconsommation, je parlerai plutôt de sobriété, tout simplement parce que je suis en train d'écrire un livre sur la sobriété, donc je suis un peu vraiment dedans là en ce moment. Et puis justement, c'est intéressant de voir pourquoi sobriété, pourquoi déconsommation, pourquoi l'un et pas l'autre, etc. Donc ça, c'est déjà peut-être une question qu'on se posera ensemble. Moi, la question qui m'anime en ce moment, c'est vraiment de dire finalement, on achète des objets d'occasion, on achète de plus en plus, et est-ce que ça participe à une surconsommation? Donc l'inverse effectivement de ce que vient dire Cécile, ou au contraire, est-ce que ça participe à une sobriété ou du moins à des indices de sobriété? Donc, en fait, c'est un peu la question aujourd'hui qui m'anime, et en fait, mon hypothèse de travail aujourd'hui, c'est de me dire effectivement, les objets d'occasion, nos pratiques à l'égard des objets d'occasion vont nourrir effectivement la sobriété à partir du moment où on développe une relation durable avec eux. Et donc, en fait, toute la question va être de savoir, mais finalement, est-ce qu'on a vraiment une relation durable aux objets d'occasion, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une relation durable. Voilà, donc c'est un petit peu les questions que je poserai ce soir en structurant mon propos en trois points. Finalement, pourquoi les objets d'occasion? Pourquoi en fait on s'intéresse à ce type d'objet? Un deuxième point sur finalement quelles seraient les conditions d'une relation durable à un objet d'occasion. Et enfin, on va parler consommateur et finalement qui développe ce type de relation, ou du moins qui tente effectivement de les développer. Et là, je vous donnerai quelques petits chiffres que j'ai essayé de glaner de ci et de là dans les études. Il faut savoir que voilà, je fais pas mal d'entretiens à domicile et des études aussi quantitatives sur ce sujet-là. Voilà, donc voilà un petit peu la structure de mon propos. Alors déjà, premièrement, pourquoi en fait les objets d'occasion? Eh bien, pour des raisons extrêmement simples. Déjà, alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est le bon étalon de mesure, mais en tout cas, c'est celui que pour l'instant je focalise. Juste pour vous peut-être mettre des éléments de contexte, alors, moi, comme je vous l'ai dit, je regarde plutôt la sobriété a plusieurs dimensions. Il y a l'alimentation, il y a l'urbanisme, il y a le numérique, il y a l'énergie et il y a la consommation. Donc, moi, je suis plutôt sur effectivement la dimension de la consommation de la sobriété. Et effectivement, dans la consommation, bien évidemment, on va questionner le rapport au matériel et donc par plein de pratiques, dont les objets d'occasion. Alors, ces objets d'occasion, ils sont très plébiscités aujourd'hui parce que quand on parle d'économie circulaire, c'est aussi, et on se focalise sur les objets, c'est aussi la circulation, c'est la revente, c'est bien sûr le bon coin que vous connaissez tous, c'est le prêt, c'est le troc, etc. Donc, bien sûr, ils réduisent quand même l'impact sur l'environnement dans le sens où ils sont déjà produits. Et puis après, effectivement, c'est quand même un mieux consommer si on les fait circuler. On parle beaucoup effectivement d'économie circulaire et on parle beaucoup de faire circuler les objets. Deuxième raison, c'est une certaine démocratisation de l'objet d'occasion. Cécile en a un petit peu parlé. En fait, tout le monde consomme des objets d'occasion aujourd'hui, beaucoup les classes moyennes, mais aussi les classes supérieures. Il y a une semaine, je faisais un entretien avec un monsieur qui habite dans le 8e arrondissement de Paris et qui manifestement est vraiment une classe sociale supérieure. Et pour autant, eh bien, lui-même, qui n'est pas plus militant que ça, parce que l'environnement, ce n'était pas vraiment sa préoccupation, mais il m'expliquait que voilà, pourquoi payer quelque chose de plus cher alors qu'on peut l'avoir moins cher. Donc en fait, il y a une généralisation un petit peu dans les pratiques des objets d'occasion, sauf dans les classes précaires, voire dans les personnes en situation de pauvreté, qui, elle, par contre, rejette l'objet d'occasion parce que pour elle, ce n'est pas digne. Voilà, là, il y a une étude, j'ai participé à une étude avec l'agence du don en nature, et en fait, c'est clairement sorti
que pour une personne en situation de précarité ou de pauvreté, eh bien, l'objet d'occasion non, n'est pas du tout, n'est pas quelque chose de digne, et ces personnes-là sont plutôt en recherche de l'objet neuf. Donc, je trouvais ça intéressant, entre guillemets, c'est mon expression, mais de voir en fait les différents rapports à l'objet d'occasion selon la classe sociale. Et puis enfin, les objets d'occasion sont perçus quand même, pour la plupart d'entre nous, des consommateurs, comme de réduire le gaspillage. Pourquoi ? Parce qu'on ne les jette pas et on les fait circuler. Alors effectivement, les personnes ont cette vision du gaspillage. Hein, pour le gaspillage, bon, j'ai eu un contrat de recherche avec l'ADEME sur le gaspillage, c'est un contrat vraiment passionnant parce qu'on essaie vraiment de comprendre ce qu'il y avait derrière le mot gaspillage. Et en deux mots, vraiment pour les gens, gaspiller, c'est un geste, c'est-à-dire c'est jeter, et deux, un contenu, c'est l'alimentaire. Et vous avez beau dire qu'est-ce que le gaspillage des objets, les gens ils reviennent toujours sur l'alimentaire. Ben, c'est quand on jette effectivement quelque chose à la poubelle. Donc en fait, le fait de faire circuler les objets, eh bien, dans l'inconscient collectif, entre guillemets, c'est quand même pas les gaspiller, ce qui est effectivement ce qui est une réalité. Et donc, effectivement, c'est vraiment on a une autre pratique, on permet quand même de moins faire du gaspillage. Alors, pas forcément, finalement, on ne parle pas trop de pollution, etc. Mais on dit non, on gaspille moins. Et puis aussi, bien sûr, acheter d'occasion, c'est aussi ne pas se faire avoir. Alors ça, c'est vraiment une expression qui revient, qui est assez étonnante, parce que j'arrive pas, j'essaie de chercher ce qu'il y a derrière. Et ne pas se faire avoir, c'est toujours cette histoire de dire pourquoi payer plus alors qu'on peut avoir la même chose, voire plus en payant moins. Donc ça, c'est des expressions qui reviennent beaucoup dans le langage, effectivement, des personnes que j'interroge. Voilà, donc ça, en fait, il me semble que l'objet d'occasion est quand même un bon étalon pour voir comment les gens se situent par rapport à la consommation, comme l'évoquait tout à l'heure Cécile. Alors maintenant, je vais arriver à mon deuxième point. Bien bon, d'accord, on achète un objet d'occasion, parfait. Mais alors, finalement, est-ce qu'on est une relation durable? Parce que finalement, si on le fait, et ça, maintenant, c'est quand même assez présent dans l'inconscient collectif, mais si on ne fait qu'acheter des objets d'occasion et les revendre, finalement, on est toujours dans cette société de consommation, dans cette boulimie à acheter, dans le fait de vraiment toujours vouloir plus et vouloir des grandes quantités de choses. Alors déjà, quelle serait une relation durable? Comment on peut avoir une relation durable à un objet? En fait, je vais questionner via le cycle de vie de l'objet, hein, c'est via la phase d'acquisition, via la phase effectivement d'usage et via la phase de dépossession. Alors, en phase d'acquisition, déjà, il convient de se questionner sur son véritable besoin. Alors, le dire, c'est facile, y répondre, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne s'exprime jamais selon nos besoins. Puis c'est compliqué parce qu'il faut quand même une bonne connaissance de soi pour se dire qu'effectivement, le fait de vouloir acheter quelque chose, non, c'est des choses très intérieure, très intime, hein, et parfois c'est même très difficile de mettre les mots sur ce qui nous arrive, sur cette tension qu'on essaye d'expulser via un acte souvent impulsif qu'est l'achat. Donc ça demande déjà une bonne connaissance de soi, déjà, et puis une analyse, on n'est pas toujours en train de s'analyser, de se dire oui, alors là, qu'est-ce que je ressens, etc. Bon, des fois, c'est une impulsion et on essaye de la satisfaire. Ensuite, il y a la manière d'acheter, Cécile l'a dit, est-ce qu'on se pose la question de savoir, mais finalement, l'objet, il est en quelle matière? Il est produit où? C'est quoi le travail incorporé? Et c'est quoi le travail manuel qui a été fait dans l'objet? Est-ce qu'on se pose toutes ces questions même quand on achète un objet d'occasion? Donc ça, j'étais plutôt sur la qualité en fait de l'objet. Et en fait, troisième point, il y a aussi la manière d'acheter. C'est-à-dire, est-ce que je l'achète via le bon coin, donc comme son nom l'indique, au coin de la rue ou au coin de mon travail? Ou est-ce que je le fais venir du sud de la France alors que j'habite Paris, voire d'ailleurs, voire de l'étranger, quand bien même il est d'occasion. Donc, en fait, comment j'achète aussi? Donc, tout ça, est-ce que je me pose ces questions-là? Donc, ça, c'est un premier point, parce qu'évidemment, dans le mot durable, hein, il y a vraiment le mot durable en temps, mais il y a aussi durable, évidemment, relatif à l'environnement. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'il faut aussi que je le précise. Ensuite, dans la phase d'usage, c'est est-ce que finalement, l'objet que j'ai acheté, est-ce qu'il ne va pas faire double usage, triple usage avec un autre? Je pense que, alors moi, la première, hein, qui suis quand même assez convaincue sur le sujet, j'ai un ordinateur, j'ai un téléphone portable et puis j'ai une tablette. Alors, bien sûr, hein, les trois, je m'en sers. Donc, à la limite, je ne les gaspille pas. Mais est-ce que, si je vais être très honnête avec moi-même, est-ce que la tablette, par exemple, est-ce qu'elle est vraiment utile? Donc, est-ce que, voilà, il y a un vrai usage à cet objet qui est dédié? Donc, ça aussi, est-ce que je me pose ces questions-là? Et comment je l'utilise? C'est-à-dire, il y a une façon de l'utiliser avec parcimonie, aussi, pour moins l'user, hein, aussi. Et puis aussi, est-ce que j'en prends soin? C'est-à-dire qu'on sait très bien que si je veux le revendre, on sait que les traces que je laisse sur un objet, si je le raye, si je l'ébrèche, etc., ces traces vont diminuer le potentiel d'appropriabilité de l'objet pour un futur acquéreur. Et donc, est-ce que j'en prends soin?
Est-ce que j'en prends soin? Est-ce que je l'entretiens? Est-ce que je cire mes chaussures? Est-ce que voilà, je l'entretiens? Si je le stocke, est-ce que je le stocke convenablement, etc. Et le troisième point, c'est la dépossession, c'est-à-dire est-ce que je permets effectivement un autre usage pour des futurs acquéreurs. Le pire, entre guillemets, c'est l'accumulation, évidemment, d'un objet parce qu'on bloque l'appropriabilité de cet objet ou l'appropriation par une autre personne. Et là, on n'est pas du tout dans la sobriété. Alors, si je dis ça, c'est vrai, c'est faux. Parce que quelqu'un qui, comme je l'ai vu, hein, je me rappelle d'une dame qui avait stocké trois perceuses qui étaient en panne, une femme extrêmement bricoleuse, eh bien, elle a refait avec ses trois perceuses en panne une perceuse qui fonctionne. Donc, elle accumule plein de choses, mais par contre, elle transforme, elle bricole et elle réutilise. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Hein, et tout ça, c'est complexe, mais en plus, c'est aussi complexe à mesurer, bien sûr. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on pose la question, mais est-ce que c'est en surconsommation ou sobriété? Bah oui, mais c'est compliqué à mesurer aussi, à faire des généralités et à essayer de voir des tendances. Donc, ça, en fait, c'est vraiment les conditions, effectivement, qui permettent de voir, mais qu'est-ce qu'une relation durable? Et puis, il y a une question essentielle. Est-ce qu'on veut une relation durable aux objets? Est-ce qu'on la veut, cette relation? Parce qu'en fait, pour avoir travaillé sur l'obsolescence perçue des objets, c'est-à-dire le fait de percevoir que le marché propose d'occasion ou neuf, hein, propose mieux que ce que j'ai, alors mieux en termes de consommation énergétique, par exemple, ce qui est assez paradoxal, mieux en termes d'esthétique, mieux en termes techniques, bah oui, un téléphone, ça va plus vite, un téléphone neuf, il va plus vite, par exemple. Est-ce que finalement, j'ai envie vraiment d'avoir une relation durable, d'avoir toujours le même ordinateur, enfin, très longtemps, d'avoir le même téléphone portable, d'avoir la même décoration, d'avoir les mêmes vêtements. Et est-ce qu'on la veut, en fait, cette relation? Donc là aussi, ça pose quand même la question de notre appétence au neuf, et au nouveau, pardon, pas forcément au neuf, mais au nouveau, à l'excitation que ça procure chez nous. Donc ça, c'est, voilà, mon deuxième point, c'est vraiment, on n'est pas habitué à cette relation durable. Il y a tout un mécanisme d'apprentissage, de changer nos automatismes, et aussi de se poser la question de savoir, encore une fois, est-ce qu'on veut ce type de relation? Enfin, mon troisième point, c'est plutôt, alors, qui commence à tisser ces relations durables? Et ça, c'est vraiment intéressant de voir. Alors, pour moi, j'ai trois groupes, hein, assez simples, mais c'est toutes des enquêtes, effectivement, que j'ai menées avec parfois des co-auteurs. Alors, il y a un premier groupe, et là, quand même, c'est pas parce que c'est Flore, effectivement, qui anime cette belle discussion, mais... Enfin, qui va arriver, mais elle est plus engagée. Hein. Alors, moi, je ne peux pas ne pas parler du défi Rien de neuf que j'ai suivi pendant quasiment 2 ans, grâce à Flore aussi, et puis à Marine Foulon, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Voilà, donc on voit bien que ces gens qui se sont engagés dans une démarche, dans ce défi, eh bien, entre guillemets, ce sont les bons élèves, dans le sens où ils transforment leur relation aux objets. Alors, il y a tout effectivement un travail que moi, j'ai fait, ça m'a passionné sur la conscience, sur la prise de conscience, sur qu'est-ce qui fait qu'on prend conscience de sa consommation, de ses relations aux objets, de franchir les barrières de l'occasion. Alors, des barrières tout simplement comme ce qu'on appelle la pollution symbolique, hein, le fait que c'est appartenu, qu'il y ait des traces sur un objet, du coup, ça peut, entre guillemets, me répugner, même si peut-être le mot est un peu fort. Le risque aussi financier, est-ce que j'achète quelque chose, mais finalement, il n'y a pas de garantie. Donc voilà, entre guillemets, je me suis effectivement fait avoir parce que mon aspirateur, là, que j'ai acheté d'occasion, il ne marche pas, etc. Donc, le fait de prendre le temps de chercher, le fait de prendre le temps de ne pas avoir, d'être sur ce temps suspendu, de « je n'ai pas trouvé l'objet », etc. Donc, effectivement, ce sont les bons élèves qui transforment leurs relations et surtout qui essayent de ne pas craquer. Avec notamment Marine, Flore, etc., on avait fait des carnets de consommation, le temps effectivement que les gens étaient dans le défi. Et c'était c'était vraiment bien parce qu'on voyait les craquages. Alors, ils appelaient ça des craquages, sans se consulter, ils appelaient ça tous pareil. Et on voyait où est-ce qu'ils craquaient, vers quoi, quand, etc. Et c'était vraiment intéressant de voir une période un peu longue, comment on transforme effectivement les consommations et les difficultés. Ensuite, on a un deuxième groupe, c'est moi ce que j'appelle en phase de conversion. Alors, ces gens qui se convertissent au mieux consommer, au moins consommer. Alors, pourquoi ils se convertissent? Eh bien, il y a beaucoup de réflexions et souvent, je ne dirais pas toujours, hein, évidemment, attention, hein, mais souvent, c'est suite à une rupture, soit des ruptures, j'ai envie de dire, un peu tristes ou négatives, je ne sais pas comment les appeler, mais ça peut être une maladie, ça peut être un burn-out, ça peut être une perte de chômage, ça peut être un divorce. Souvent, c'est ces raisons-là. Ou alors, une rupture très positive, hein, comme le fait d'avoir un enfant. Souvent, ça revient. Le fait d'avoir un enfant, ça revient souvent. Ou une rupture un peu intérieure, c'est une crise du sens, c'est une crise existentielle, c'est finalement, mais ce que je vis, ça n'a pas de sens,
j'ai un travail, je ne l'aime pas vraiment, il est bien payé, mais finalement, je n'ai pas beaucoup d'intérêt. Du coup, ça me permet de bien consommer, mais finalement, je n'ai pas forcément de plaisir. Donc, il y a des gens, effectivement, qui sont en crise de sens et qui se posent ces questions-là. Donc, ça, en fait, c'est les gens en phase de conversion, c'est-à-dire qu'ils sont sobres dans certaines consommations, l'alimentaire, par exemple, mais pas sobres dans d'autres parce que ce n'est pas possible. Ne pas partir en avion, alors je mets notre période évidemment en parenthèse, mais ne pas partir, ne pas se faire notre petit plaisir d'aller faire notre petit voyage, c'est pas possible. Puis aller au ski, c'est pas possible. Trouver une voiture, c'est juste impossible. Ne pas acheter un kiwi ou une mangue ou etc., c'est pas possible. Donc, vous voyez, c'est ces petites choses qui sont encore compliquées. Et puis après, il y a les troisièmes, hein, si on est non engagé, et c'est là que je vais vraiment me mettre en opposition, entre guillemets, avec la déconsommation peut-être que parlait Cécile, mais évidemment pour alimenter le débat, parce que je n'ai absolument pas évidemment la vérité, etc. Mais en fait, il y a encore, et l'enquête que je poursuis aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui sont dans la consommation, même d'objets d'occasion, et qui sont dans une surconsommation. Et moi, j'ai appris des choses aujourd'hui sur mes entretiens que moi-même, je ne soupçonnais pas. C'est-à-dire qu'avec le Covid, moi, je pensais quand même qu'il y avait moins de consommation d'objets d'occasion parce qu'on est sur le couvre-feu, parce qu'on a quand même, ces histoires de consommation, de contamination qui sont réelles, parce que là, il y a vraiment un virus aujourd'hui. Eh bien, les gens achètent. Et en fait, vraiment, quand ils rentrent de chez eux, ils me disent, moi, je rentre chez moi, je regarde l'application Le Bon Coin quasiment tous les jours et je regarde ce qui s'y passe. C'est un peu, vous savez, la presse quotidienne régionale. Maintenant, c'est Le Bon Coin. Et je regarde, ça me fait plaisir. Et puis, je craque sur des petites choses parce que, ça me permet de me faire plaisir parce que je m'ennuie, en fait. Voilà. Et ça, je l'ai retrouvé souvent, vraiment souvent. Et ça, c'est sur des entretiens qualitatifs, donc je ne peux pas chiffrer, mais j'ai souvent retrouvé. Voilà. Donc, en fait, on est sur ces… Alors, pourquoi c'est difficile? Et je finirai peut-être là-dessus avec peut-être un ou deux chiffres. Pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué parce que il y a les normes, il y a effectivement il y a des normes sociales qui fait que le fait de dire que j'ai réduit ma consommation ou que j'achète d'occasion, parfois ça peut être encore compliqué par rapport à certains collègues et pas d'autres, par rapport à ses parents, par rapport à ses frères et sœurs. Et ça, effectivement, je l'ai vu même dans des cas effectivement de personnes qui sont engagées dans le défi Zero Waste. Il y a des normes sociales. Alors, je ne vous parle même pas des cadeaux, hein, d'acheter des objets d'occasion en cadeau. Alors là, c'est juste, ça devient très, très rare. Et d'ailleurs, chez les seules personnes chez qui je les vois, c'était chez les gens qui étaient effectivement engagés dans le défi et qui voulaient être authentiques, donc qui voulaient assumer leur démarche. Mais c'est encore compliqué de trahir, entre guillemets, cette norme du cadeau. C'est comme si faire un cadeau, il fallait absolument déjà payer quelque chose et payer quelque chose d'assez cher et surtout, effectivement, pas d'acheter un objet, entre guillemets, de rebut. Un objet d'occasion, il n'est pas du tout considéré comme un objet de rebut dans notre vie quotidienne. Par contre, dès que c'est le cadeau, c'est considéré comme un objet de rebut. Voilà. Et donc, effectivement, ça, c'est encore toutes les difficultés, effectivement, qui sont aujourd'hui liées à ces objets d'occasion. Pour finir, juste peut-être quelques chiffres. J'ai fait une enquête quantitative sur 2000 personnes, mais sur un échantillon représentatif. Et là, je rejoins complètement Cécile, hein, notamment ce qu'elle dit, notamment dans son livre. Dans mon échantillon, ça m'a moi-même, je vous avoue, étonnée, mais c'est super ce qu'on apprend toujours, évidemment. Il y a 40% d'inactifs, et pourtant, il est représentatif de la population française. Je l'ai fait avec Médiamétrie. Donc, il y a 40% d'inactifs. Donc là, j'ai déjà été très étonnée entre les retraités, les étudiants, les mères au foyer, etc. Et en fait, on voit que je veux juste vous présenter quelques chiffres sur les extrêmes entre ceux qui achètent toujours neuf et toujours d'occasion, donc les deux extrêmes. Par exemple, sur le matériel informatique, alors c'est encore 65% qui n'achètent que du neuf et c'est 3% qui achètent que de l'occasion. Alors évidemment, entre les deux, c'est les gens qui parfois achètent de l'occasion, hein, évidemment. Par contre, on voit que les livres, c'est ce qui est le plus acheté d'occasion. Donc voilà, avec 38% qui achètent que du neuf et 6% que de l'occasion, mais quand même une grosse tendance sur l'occasion. Et puis, ce qui n'est jamais, enfin, ce qui est très aussi, qui est assez rarement acheté d'occasion, là je suis assez étonnée, c'est les vêtements pour adultes. Ils sont encore à 60% achetés à 100% neuf et à 4% achetés d'occasion. Mais en fait, quand on décrypte un petit peu, effectivement, qui fréquente Vinted? Eh bien, c'est surtout les jeunes, en fait, les jeunes, plutôt une population étudiante, etc., qui achètent, qui revendent. Il y a une espèce de grosse circulation des objets. Voilà, donc effectivement, on est encore dans des proportions, et c'est là aussi j'ai été assez étonnée de neuf. Et pour finir, vraiment, cette fois-ci pour finir, et pour finalement paraphraser ce que dit Cécile,
Plus on est âgé, moins on achète d'occasion. Hein. Il y a vraiment, déjà, plus on est âgé, moins on achète. Plus on a accumulé de choses et moins on achète d'occasion. Il y a toujours ce côté vieillot. Alors, il y a des articles de recherche là-dessus, hein, mais ce côté vieillissant, je ne sais pas, c'est une projection de nous-mêmes sur le fait qu'on vieillit, c'est qu'il y a un objet qui a vieilli, donc, et qui est vieilli. Donc, effectivement, ça nous renvoie à notre propre vieillesse. Enfin, bon, il y a quelque chose de ce goût-là. Mais en tout cas, effectivement, les personnes âgées, en effet, consomment moins d'occasion. Et quand j'ai demandé dans mon sondage à 2000 personnes, est-ce que vous aimeriez moins, enfin, acheter plus d'objets d'occasion, il y a 37% de gens qui disent non. Et donc 63% qui disent oui. Donc voilà, donc effectivement, on a quand même cette tendance, et là je veux faire un écho positif à Cécile, il y a quand même une tendance des gens qui aimeraient certainement moins consommer parce qu'on accumule beaucoup, et ça je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Cécile. Voilà, j'arrête là. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci. Oh là là, la lumière a baissé chez moi, ça se voit dans la caméra, je suis désolée. Alors, merci beaucoup Valérie pour cet exposé. Il y a quelques questions et quelques réactions aussi dans le fil de discussion, des partages de retours d'expérience, etc. Mais je vais donc reprendre les questions. La première, alors s'adresser à toutes les deux. Alors, je vais peut-être commencer par la deuxième parce que c'est une question peut-être de précision par rapport à ce que Valérie a expliqué, ou d'approfondissement en tout cas. Quelqu'un qui demande s'il y a une différence de démarche entre les personnes qui donnent ou qui revendent et les personnes qui récupèrent ou qui achètent. Alors, donc, est-ce qu'il y a des gens qui ne font que vendre sur le bon coin ou que donner ? Et d'autres qui ne font que acheter. Et est-ce qu'il y a des comportements différents entre ces deux catégories de personnes, si elles existent ? Oui, merci. Oui, des questions très intéressantes. Effectivement, on a tous les profils et ce n'est pas les mêmes démarches. Mais on a vraiment des gens qui n'achètent jamais d'occasion, qui revendent. Alors, eux, ils sont dans le neuf, effectivement. Et on a ceux qui vendent, qui achètent d'occasion et qui revendent tout de suite d'occasion. Et puis, les gens, effectivement… qui vendent. Attendez, est-ce que je suis en train de penser à une chose ? C'est effectivement, moi, ce que j'ai remarqué, il me semble que c'est des gens qui achètent neuf, qui n'achètent pas d'occasion et qui revendent de temps en temps. Ces gens-là, c'est en général quand ils achètent neuf, ils achètent de très bonne qualité. Et c'est pour utiliser d'une façon assez durable les objets. Et après, au bout d'un certain temps, ou lorsqu'ils n'en ont plus l'utilité, eh bien, effectivement, ils les revendent pour ne pas les accumuler. Mais en général, quand ces personnes achètent neuf, c'est assez souvent le cas pour acheter et qui n'achètent pas d'occasion, hein, qui n'achètent que du neuf. C'est souvent parce qu'ils ne sont pas beaucoup dans la consommation et qu'ils ont une consommation qui se veut un peu plus responsable et plus durable. Voilà. Mais par contre, oui, on a tous les profils. On a vraiment les gens qui font circuler, j'achète d'occasion, j'utilise un moment, je revends tout de suite. Et puis, il y a effectivement des gens qui achètent d'occasion et qui accumulent. Donc, effectivement, qui revendent très peu, il y en a aussi, effectivement. Oui. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question, mais… En tout cas, on a tous les profils. Et est-ce que ça vaut… Et encore une fois, est-ce que ça, effectivement, ça donne des indications sur le rapport à la sobriété, au moins, au mieux, une légère indication, je dis, sur le premier groupe, effectivement, qui achète neuf. Voilà, mais encore une fois, acheter neuf, effectivement, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils achètent neuf et dans quel but ? D'accord. Ça rejoint certaines des réactions d'ailleurs sur le fil de discussion parce que voilà, il y a certains achats neufs qui sont faits de manière très tout à fait choisie et consciente aussi. Alors, donc, cette question qui s'adresse à toutes les deux, c'est quels sont les déclics qui font qu'une personne va passer à un mode de consommation, alors zéro déchet ou on pourrait dire plus sobre. Est-ce que vous avez observé des éléments déclencheurs ? Oui, moi j'en ai observé, mais Cécile, je ne sais pas si bon, peu importe. Allez-y, Valérie, vous avez la parole, allez-y, gardez-la. Alors moi j'en ai, oui, des éléments déclencheurs, c'est des situations, c'est ce que j'appelle des situations de rupture, c'est-à-dire que c'est souvent. Alors, pourquoi on remet en cause effectivement notre façon de vivre. Et en fait, donc c'est parfois des éléments de rupture. Alors, soit effectivement, encore une fois, divorce, décès, soit on doit vider la maison d'un proche et on se dit, mais finalement, mais pourquoi on accumule autant? Parce qu'après, ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces objets? On les jette, on en jette la moitié. En plus, en général, évidemment, au niveau émotionnel, on est complètement bouleversé. Donc, voilà, on a encore tout ça à gérer, etc. Donc, en fait, il y a ces éléments-là.
Après, il y a l'arrivée d'un enfant souvent, mais on se dit, ben, voilà, j'ai un enfant, dans quelle planète, sur quelle planète je vais lui offrir, etc. Donc là, ça remet beaucoup de choses en cause. On voit qu'on on consomme un peu, enfin, on consomme beaucoup et on, voilà, on peut remettre aussi en cause, c'est ça. Et puis après, ça peut être aussi des j'ai envie de dire, quelque chose de plus intime. Et le plus intime, c'est souvent le sens, en fait. Mais finalement, la façon dont je vis, est-ce que ça a du sens de faire tout ça? Comment ça s'inscrit dans ma trajectoire personnelle? Effectivement, est-ce que ça a du sens de continuer à travailler beaucoup pour gagner de l'argent, mais finalement, pour consommer, mais j'y trouve pas beaucoup de plaisir, ou pas moins de plaisir? Et plus, entre guillemets, je vieillis, et plus les gens, effectivement, ont ces questions-là de sens. Voilà. Puis après, ça peut être tout simplement la rencontre avec une personne qui vous inspire. C'est-à-dire, dire, bah, tiens, finalement, déjà, le fait d'aller dans des environnements moins encombrés, le fait de faire autre chose que finalement consommer, le fait de trouver d'autres occupations. Donc, tout cela, effectivement, c'est aussi, quelque chose qui peut effectivement amener à changer les pratiques. Puis parfois, c'est conjugué. C'est-à-dire que je me souviens de gens, notamment d'une femme qui est très touchante et qui me dit, bah, voilà, moi, je suis tombée malade, donc je suis restée à la maison. Puis quand on est à la maison, bah, voilà, on range un peu ses placards, donc on a un peu de temps, on se fait le constat. Et puis après, on va aussi sur Facebook et puis on rencontre des groupes Zero Waste, des groupes, des licornes, etc. Donc, plein de groupes de femmes souvent, ou du moins de gens engagés dans ces démarches-là. Et puis, on commence à s'y intéresser et puis on se pose des questions. Et puis, voilà. Donc, il y a ça. Et puis aussi, bien sûr, parfois, pour des raisons financières aussi, ça arrive aussi. Voilà, des raisons, on a moins d'argent, donc du coup, on essaie de voir comment on consomme, enfin, on peut transformer sa consommation. Merci. Cécile, tu veux réagir aussi? Oui, alors rapidement, parce que du coup, Valérie a déjà bien, bien répondu. Je rebondis juste sur ces deux derniers aspects, le côté personne inspirante et le côté communauté, parce que je pense que ça, c'est des clés. Enfin, je trouve que c'est des points qui sont importants. En gros, avant de parler de zéro déchet, il faut parler déchet. Et ça, c'est, je sais que Flore, tu as à peu près le même discours sur le sujet. Comment le déchet qui était un peu justement le maillon invisible de la société de consommation, c'était le truc qu'on ne voulait pas voir, voilà, on jetait, finalement on ne voulait pas savoir ce qui se passait après, une fois que le truc était dans la poubelle ou dans la rue. Ça s'est complètement inversé, c'est-à-dire que maintenant c'est devenu vraiment le symbole, le déchet de ce gaspillage, en tout cas c'est pas pour tout le monde, mais pour les personnes dont on parle, qui sont dans cette logique de sensibilisation, de prise de conscience. Et donc en fait, on inverse complètement la logique et justement ce symbole-là, cet épouvantail-là, bah, il faut faire en sorte de le réduire au maximum et non pas en le sortant de sa vue, mais en faisant en sorte de ne pas être responsable de ce déchet qui est produit. Et pour ça, je trouve qu'il y a le pendant, c'est-à-dire ce côté un peu culpabilisant de « je produis des déchets », et ben en face, vous avez des personnes qui vont devenir un peu des nouveaux symboles. Moi, je les appelle carrément des héros. Alors, pour l'anecdote, l'éditrice m'a dit « Non, il ne faut pas parler de héros, c'est le terme qu'elle posait. » Si, si, c'est des héros. Et en gros, j'ai gardé ce terme-là, comment les Bea Johnson et compagnie, en fait, ils inspirent. C'est des personnages qui sont inspirants pour les individus. Et c'est « Waouh, moi, je veux faire pareil, quoi. Je veux devenir eux, je veux mon petit bocal. Ouais, moi aussi, j'ai jeté que ça. Hein, » Un truc impossible. Hein, mais en fait, ça devient quand même des sources d'inspiration hyper puissante, parce qu'on a besoin de ça. Ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est que en fait, on est un peu au milieu du guet, parce qu'on est donc face à cette critique de la société de consommation qui pourquoi elle est aussi puissante? Parce que derrière, il y a des récits, il y a des imaginaires qui nous entraînent, en fait, en tant qu'individu et en tant que société. Donc, en fait, la critiquer, c'est une chose, mais parfois, on la remplace. Une fois qu'on a dit la société de consommation, c'est mal, et finalement, c'est plus ce que je veux pour moi et pour mes enfants et compagnie, par quoi je la remplace? Et en fait, ces personnes-là, elles sont inspirantes pour ça, parce qu'elles proposent des alternatives, elles proposent autre chose, et ça devient désirable. Enfin, je veux dire, le zéro déchet, il y a 20 ans, c'était vraiment pas le truc qui faisait rêver. Et là, elles arrivent à raconter des histoires autour de ça, et à montrer que, ouais, c'est super chouette de faire ça, et vous deveniez quelqu'un de bien quand vous le faites. Et en fait, ça devient un peu un défi, enfin, d'ailleurs, d'où votre défi à vous. Et c'est hyper stimulant sur le plan personnel, en fait. Et c'est ça aussi qui donne envie. Et donc ça, je pense que c'est vraiment des éléments qui sont très puissants. Et on en revient aussi, effectivement, à la question des communautés, sur lequel moi, du coup, j'ai beaucoup travaillé pour le livre. Et ces communautés-là, en fait, c'est ce qui aide ces individus qui sont engagés dans ces démarches-là, parce que vous le dites beaucoup là sur la conversation, sinon on se sent un peu seul, on se dit mais en fait
dans ma famille, ils ne comprennent pas. Effectivement, l'achat d'occasion, ça ne passe pas. Et donc, il y a ces communautés qui sont là pour dire, vous n'êtes pas tout seul. Et regardez, on va vous donner des idées. On va vous aider à avancer. Et en fait, je sais que toi aussi, Fleur, tu as ce discours-là. Ces communautés, sans elles, ça ne fonctionne pas. Et en fait, je tire le fil, puis après, je rebondirai sur le rôle des femmes. Ces communautés, pourquoi elles sont aussi importantes? Parce que dans la société de consommation, le consommateur, il est seul. Notamment la femme, et donc j'y reviendrai, c'est un peu la personne seule chez elle face à des entreprises ou à une offre voilà, qui est un peu adressée à elle. C'est la ménagère de moins de 50 ans. Et les communautés, elles cassent cette logique. Elles disent, vous n'êtes pas seul, et donc ensemble, on peut faire plein de choses, en fait. On peut imaginer plein d'alternatives. On n'est pas juste dans une logique un peu passive où on consomme ce qu'on nous dit de consommer. Non, non, on peut discuter ensemble, on peut réfléchir aux solutions qui sont les plus pertinentes. Et ça, voilà, c'est ça qui change la donne. Et c'est ça qui dessine, je pense, des alternatives assez intéressantes à toute cette logique-là. Voilà, je te laisse reprendre la main, Flore. Non, tu voulais peut-être rebondir sur le rôle des femmes. Est-ce que c'est oui, alors. Il y avait une question en lien avec ça dans oui. le chat. Est-ce que l'achat d'occasion ou est-ce que peut-être la déconsommation, la sobriété, ce sont des démarches féminines ouais. et, alors, et pourquoi ouais. Est-ce que Juliette et Valentine ont regardé quelle est la proportion de femmes? Alors, je vous le fais rapidement là. Annie, Armel, Alexandra, Bénédicte, Camille, Caroline, Céline, Charlotte, Claire, Clément. D'accord. Alors. En fait, je réagis parce qu'il y a un commentaire tout à l'heure qui disait « Oui, c'est pas facile de, je sais plus, d'acheter d'occasion ou d'être minimaliste quand on vit avec un homme qui est écureuil. » Je dis pas que tous les hommes sont écureuils ni que toutes les femmes peuvent être minimalistes. Mais en fait, vous n'imaginez pas, pardon la personne qui a mis ce message, vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai lu ce message-là. Alors, en l'occurrence, moi, j'ai beaucoup allé sur les groupes Facebook, hein, le groupe du défi Rien de Neuf, mais pas uniquement. Et ce message-là, mais 50 fois par jour, il dit 50 fois par jour. Et je me suis dit, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et donc, j'ai commencé à creuser. Et en fait, c'est tout simple. C'est juste que bah, vous avez 90% des personnes qui sont engagées dans ce type de démarche de sobriété, de zéro machin, qui sont des femmes. C'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin. Et donc, j'ai commencé à creuser. Et en fait, il y a eu quelques études déjà un peu sur ce sujet. Qui nous disent quoi? Qui nous disent qu'effectivement, les femmes sont globalement plus sensibles aux enjeux écologiques. Donc ça, c'est un constat. Et elles se sentent aussi plus engagées, de fait, plus obligées d'agir, en ce sens de faire leur part, donc de faire leur colibri, et notamment au sein du foyer. Et en fait, vous avez ce cumul progressif de la charge mentale et de la charge écologique. Parce que donc, je suis, notamment c'est beaucoup des mères, hein, mais ça peut être aussi des femmes seules ou des femmes en couple, j'ai cette responsabilité que le foyer tourne bien, que ma maison tourne bien. Et en plus, eh bien, j'ai cette responsabilité de protéger finalement un peu mon foyer face à un monde qui est de plus en plus menaçant, de plus en plus dangereux. Donc, c'est à moi de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de pesticides qui rentrent, qu'il n'y ait pas trop de plastique, qu'il n'y ait pas trop de machin. Et donc, en fait... C'est des femmes qui s'imposent aussi un peu cette charge écologique. Alors, je le présente de manière un peu dure, un peu négative, mais en fait, pour elles, c'est aussi justement une source, de, au départ en tout cas, de fierté. C'est un devoir un peu aussi de se dire, bah, je joue ce rôle-là. Et moi, à titre personnel, je le fais aussi. Hein, et je vis cette situation personnellement. Je dois le faire, en fait. Je dois protéger mes proches. Je dois faire en sorte que tout se passe bien. Et puis, je dois jouer mon rôle aussi de bonne citoyenne en consommant bien. Et donc ça, c'est aussi très puissant. Notamment, le revers de médaille est d'autant plus puissant parce qu'en fait, ce cumul des charges-là, forcément, il est difficile à tenir. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en fait, c'est donc des femmes qui vont accepter de passer de plus en plus de temps à consacrer justement à faire elles-mêmes, à choisir les bons produits, à laver des couches lavables, n'est-ce pas, Flore? Donc, on se retrouve à faire des choses qui étaient... Enfin, moi, quand je le dis toujours, c'est pas qu'une anecdote. Quand je dis à ma mère ou à ma grand-mère que j'utilise des couches lavables, même que je fais des petits pots maison, mais elle me dit, mais c'est quoi le problème? T'es folle, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'infliges ça, en fait? Pourquoi? Et en fait, elles le prennent, je pense qu'elles sont même vexées. Et en fait, ce combat de génération entière pour libérer la femme, lui faire gagner du temps, et effectivement, et ben en fait, il est maintenant remis en question. Et au contraire, ben, la vraie libération, c'est justement de se dégager de cette dépendance envers des achats, en fait, parce que bah, les couches jetables, il faut les acheter, les petits pots, il faut les acheter, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, etc. Donc, en fait, là, il y a quand même un nœud qui est assez intéressant. Alors, à nouveau, je ne dis pas que toutes les mères sont dans cette approche-là,
Mais en tout cas, on est dans une remise en question donc, de tout ça et aussi de ce temps que je veux bien consacrer à ma famille, à mes proches, pour qu'ils aillent bien, y compris au détriment du temps personnel donc, de ces femmes. C'est sûr que ça soulève une autre question que celle du rapport aux objets, il y a aussi le rapport au temps et au temps libre en particulier. Alors, il y avait une autre question pour toi, Cécile, par rapport à un élément que tu as mentionné au début de ta présentation sur les différents facteurs de la déconsommation que tu présentes. Tu parlais du vieillissement de la population en premier lieu. Et donc, quelqu'un demandait si ce vieillissement n'était pas compensé aujourd'hui par d'autres phénomènes démographiques, d'augmentation de population, d'une part, et si il n'était pas compensé aussi par la généralisation d'un mode de vie occidental. Alors, a priori, non, parce qu'en fait, donc, on est effectivement toujours dans une société en croissance. Donc, la population, elle croît en moyenne de 0,5% par an. Donc ça c'est en fait, c'est-à-dire que du coup oui on consomme un petit peu plus chaque année mécaniquement justement pour satisfaire les besoins de cette population qui croît, certes, mais ça ne compense pas non effectivement ce fait qu'on observait en tout cas jusqu'à récemment parce que je vais y revenir mais qui est que plus on vieillit moins on consomme. Donc on l'a dit un petit peu tout à l'heure, on est dans une société d'inactifs. Hein. Aujourd'hui, vous avez moins de la moitié de la population qui travaille. Alors, il n'y a pas que des retraités, il y a aussi des jeunes, des étudiants, des enfants, des chômeurs, etc. Mais de fait, vous avez, donc je l'ai dit tout à l'heure, vous avez à peu près une personne sur cinq qui a plus de 65 ans. Et ça, ce vieillissement-là, bah, il est inéluctable. Voilà, il va pas se réduire au cours des prochaines années. En revanche, là où il y a une vraie question, c'est de savoir, donc le constat que je pose, qui se base sur des études faites notamment par l'INSEE, mais aussi par le CREDOC, c'est de dire est-ce que les générations âgées de demain consommeront pareil que leurs parents. Donc en gros, est-ce que les personnes qui ont aujourd'hui 55, 60 ans, ils savent qu'ils ont normalement, ils ont encore quelques belles années devant eux, ils ont souvent une belle retraite aussi, parce qu'on est donc on parle d'une génération qui va vivre plus longtemps en bonne santé, qui a un niveau de vie qui est supérieur au reste de la population, donc qui potentiellement peut en profiter, d'accord? Et donc ça, c'est une vraie question, savoir est-ce qu'ils vont consommer plus. Alors, en l'occurrence, ce qu'on sait, c'est que s'ils consomment plus, ça sera plutôt des loisirs, restauration, et pas forcément justement des vêtements ou racheter des meubles. Voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais en tout cas, c'est mes éléments de réponse. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Valérie, si tu veux réagir à certaines choses que Cécile a dit ou à certaines choses que tu as peut-être lues dans le fil de discussion. On parle beaucoup des cadeaux, hein, chose que tu avais mentionnée tout à l'heure, et de la difficulté de faire des cadeaux autres que neufs, mais certains y arrivent quand même. Une réaction, j'essaie de trouver une autre question. Non, mais enfin, juste par rapport aux femmes, effectivement, ben non, je reviendrai. Je crois que Cécile a dit, hein, enfin, sur le défi zéro rien de neuf, c'était, le défi rien de neuf, c'était 95% de femmes. Mais après, peut-être aussi, effectivement, est-ce que c'est pas un retour en arrière parce que leur charge mentale, je veux dire, elle augmente, etc. Parce que c'est elles qui vont chercher le petit sac, etc. Après, il y a prendre le petit sac pour y penser, parce que le soir, pour éviter de faire des déchets, etc., ou des emballages, il faut passer par tel biocoop, etc. Bon, c'est à elle qu'effectivement que tout ça échoue. Après, effectivement, les hommes, j'ai un groupe d'étudiants qui est en train de travailler sur les hommes et le zéro déchet. Et effectivement, ce qui est hyper intéressant, alors bon, c'est quand même pour l'instant des résultats un peu embryonnaires, mais en fait, les hommes, effectivement, ils ont encore cette représentation de dire, oui, mais s'occuper de tout ça, ça fait un peu homme au foyer. Ça, c'est des jeunes hommes qui parlent, c'est pas moi. Et puis, je reprends mes verbatim parce que je les avais notés. Moi, je me demande s'il n'y a pas des déchets qui sont genrés. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que ce dont s'occupent les hommes dans le foyer, c'est des déchets qui sont valorisés, valorisables, tandis que femmes, c'est plutôt effectivement moins valorisé et valorisable. Donc en fait, les hommes s'occupent plutôt effectivement de l'informatique, des choses, mais les femmes, elles font les ballots pour le linge, elles font les sacs pour les poubelles, les emballages, etc. Bon, là c'est une hypothèse pour un temps de travail, hein, mais effectivement c'est un peu ce que pour l'instant je vois arriver du travail de mes étudiants. Je trouve ça assez intéressant effectivement là-dessus.
Et puis sur les cadeaux, ben, bravo aux personnes qui arrivent, parce que ça, c'est un vrai combat. Et puis je crois que j'ai vu dans le fil de discussion tout à l'heure, mais comment on fait pour passer, pour parler de sa démarche? Alors là, pareil, il y a vraiment effectivement un travail qu'on avait fait un peu théorique, effectivement, sur notamment les gens qui étaient dans le défi rien de neuf. Et alors, il y a vraiment, j'ai envie de dire, plusieurs cas de figure. Il y a ceux qui en parlent et qui font la pratique, c'est-à-dire qui assument, entre guillemets, cette pratique. Alors, ils sont très, très rares, ceux-là. Après, il y en a qui en parlent, mais qui ne font pas. Ben, tu vois, moi, je fais ça, etc. Mais dès qu'il faut faire un cadeau, ben, on fait un cadeau neuf. Et puis, il y en a, effectivement, qui n'en parlent pas, mais par contre, qui achètent l'occasion, mais qui le cachent, qui mentent. C'est qu'ils sont dans le non-dit. Et là, c'est très périlleux parce qu'effectivement, ça peut remettre en cause la relation quand la personne s'en aperçoit, pour nous. Donc, effectivement, et les gens le disent. Hein, pour moi, ma référence, c'est un peu à ceux qui sont engagés dans le défi rien de neuf. Et ils le disent. Ils disent qu'effectivement, eux-mêmes, c'est très difficile pour eux de passer à l'acte, même d'acheter pour un enfant, hein, même d'acheter d'occasion pour un enfant, notamment un adolescent. Hein, on sait que là, dès le collège, ça devient compliqué parce qu'on a peur que son enfant soit stigmatisé, on a peur qu'il soit moqué. L'enfant, il n'a pas forcément envie non plus de porter cela, etc. Donc, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Et pour finir, là où les hommes et les femmes sont convergents, c'est, en gros, je caricature, mais c'est ce qu'on entend, c'est les femmes, effectivement, les hommes se moquent un peu de leurs femmes hein, quand elles font leur lessive avec du lierre, etc. Par contre, quand la femme, elle arrive avec son tableau Excel en disant, bah, regarde, c'est X d'économie par mois. Là, les hommes, ils deviennent admiratifs. Ah oui, quand même, ah, c'est quand même vraiment bien ce que tu fais. Et alors, ça fait très stéréotypé ce que je vous dis. Et c'est vrai que c'est assez… mais en fait, voilà, encore une fois, je n'invente rien. Ça vient effectivement des entretiens. Donc, en fait, oui, on est encore dans ce schéma-là, encore. En tout cas, c'est ce que ça révèle. Et qui n'est pas spécifique au zéro déchet ou quoi que ce soit, d'ailleurs. Peut-être sur un autre sujet, c'est un sujet un petit peu différent qui a été évoqué un petit peu plus haut sur le fait que l'achat d'occasion soit synonyme ou pas de déconsommation et de sobriété. C'était une remarque, mais qui peut-être vous fera réagir sur le fait qu'aujourd'hui, l'occasion est aussi un marché à conquérir pour les marques qui traditionnellement sont sur le neuf. À conquérir ou qu'elles sont déjà en train de conquérir et que ça pourrait aussi être un facteur de surconsommation demain ou peut-être ça l'est déjà même puisque finalement les mêmes techniques, les mêmes méthodes de marketing, de publicité, enfin tout ce qui peut nous pousser aussi à la consommation vont potentiellement être aussi appliquées à l'occasion. Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles vous vous êtes penchés l'une ou l'autre? Oui, alors moi j'ai regardé ça, enfin en gros je ne vais pas dire grand chose d'original, mais la réponse est oui, bien sûr, ça devient un nouveau levier de croissance en fait, quand on voit ce que fait H&M justement, qui dit mais ramenez-nous vos vêtements, ne vous inquiétez pas, on vous donne un petit bon d'achat, enfin bien sûr, là c'est une caricature de comment relancer la croissance artificiellement par ce marché. Un autre exemple que je donne souvent, c'est l'entreprise Patagonia, vous savez qu'il y a un peu exemplaire justement sur le plan d'économie circulaire, puisque donc c'est une des pionnières. Enfin, pour le coup, c'est une entreprise qui est assez honnête dans sa démarche, qui va au bout de la logique, enfin, voilà, qui est très convaincante. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que donc quand Patagonia fait une pub disant « n'achetez pas ce pull » ou « achetez un truc d'occasion à la place », enfin là, vous n'en avez pas besoin, achetez un truc d'occasion, et ce qui se passe, ils explosent leur vente. Parce qu'en fait, en termes d'image, ça marche très bien. Et donc, il conquiert un nouveau public qui se reconnaît finalement dans ce discours-là et qui se dit, mais du coup, je vais acheter des vêtements Patagonia, ils sont super ces gens. Donc voilà, donc c'est pas évident, mais après, ça m'emmène à mon plan suivant et qui fait lien aussi avec les hommes et les femmes. On voit pas le rapport, mais il y en a un. C'est qu'en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on est dans une phase de transition. Donc forcément, dans des phases de transition, il y a des cafouillages, il y a des trucs qui marchent mieux que d'autres. Voilà, on n'est pas au bout. Et donc, on n'est pas au bout aussi bien sur les adaptations des entreprises à ces nouvelles demandes, ces nouvelles attentes des consommateurs. Donc moi, je veux rester optimiste sur le fait que des entreprises vont essayer d'inventer des nouveaux modèles. Effectivement, vous mentionnez dans le fil de la conversation 1083, je trouvais de lapsus intéressant sur le 1084 et pas le 1083, mais donc ça c'est un exemple intéressant. Il y a plein d'autres exemples qui pourraient émerger. De la même manière, je veux croire au fait que les hommes de demain prendront aussi leur part dans tout ça. Enfin là, on a un renouvellement des générations qui va aider à changer les choses. Donc là, à nouveau, on est un peu dans
dans cette phase bouillonnante d'initiative dans tous les sens où finalement on observe tout ça, on essaie de comprendre, mais si on essaie de prendre de la hauteur, les choses ont évolué en fait dans un sens ou dans un autre, donc on peut croire que ça va évoluer dans le bon sens. Valérie, tu voulais ajouter quelque chose sur les démarches de ces entreprises par rapport à l'occasion? Oui, tout à fait. De toute façon, enfin, moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Cécile. Ça ne peut qu'augmenter la surconsommation, en fait. Parce que, en plus, évidemment, c'est moins cher. Effectivement, moi, ce que je vois aujourd'hui, encore une fois, qui me surprend aussi, mais qui me. Voilà, mais évidemment, je n'ai aucun jugement à faire. Mais effectivement, on est encore dans. Non, je me fais plaisir. Oui, en ce moment, effectivement, avec les couvre-feux, avec les confinements, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, les gens continuent à acheter. D'occasion, c'est moins cher, mais c'est toujours pour le petit, vous savez, c'est le petit colis qui arrive, qui nous fait plaisir, c'est le petit achat qu'on a fait qui trompe un peu en ennui du soir, donc en fait, et dans les magasins et sur les plateformes, voilà, on continue quand même aujourd'hui à acheter et donc effectivement, tout ça, ça va développer la surconsommation. Mais encore une fois, c'est très difficile de faire des généralités parce qu'il y a tellement de groupes différents. Et moi, je suis d'accord avec Cécile, c'est-à-dire qu'il y a quand même une prise de conscience et une transformation. Mais elle est très lente, mais c'est normal qu'elle soit très lente. Ça fait combien de temps qu'on dépend du marché, qu'on s'alimente sur la consommation, qu'on est sur des modèles on va travailler, on a un salaire, on consomme, etc. Ça fait combien d'années? Donc, forcément, c'est long. Même s'il y a des personnes qui nous inspirent, même s'il y a plein de choses, plein de communautés, oui, c'est long. Et on n'est pas tous sensibles à la même manière. Même si effectivement, et je l'ai un peu vu tout à l'heure dans le fil de discussion, mais un des décrochages, c'est le fait d'avoir des enfants. Donc ça, effectivement, parce qu'il y a vraiment une prise de conscience sur quel avenir on va leur laisser, tout simplement. Mais effectivement, et puis de toute façon, je pense qu'il y a plein d'enseignes qui, de plus en plus, vont avoir les deux, d'avoir l'occasion et le nom. Merci. Alors, il y a une petite question par rapport à tes travaux et tes publications, Valérie, et je pense que ça peut être une bonne manière aussi de conclure pour toutes les deux, de pouvoir peut-être nous redonner vos publications personnelles un peu clés qui permettraient d'approfondir, soit des lectures ou des choses que vous avez vues passer et que vous auriez envie de partager avec nous. Donc, la question pour toi, Valérie, c'était est-ce que ton analyse du rapport à l'objet et à l'achat se trouve dans le livre du gaspillage à la sobriété ou est-ce qu'il y a un autre ouvrage dont tu veux parler? Oui, merci pour la question. Alors en fait, je vais pas vendre mon livre, mais en fait, là effectivement, le gaspillage et la sobriété, c'est un livre collectif où il y a effectivement pas mal de prises de parole différentes, et notamment de 5 associations. D'ailleurs, Flore a pris la parole dans cet ouvrage, ainsi que Emmaüs, ainsi que Acte à l'obsolescence programmée, etc. Donc en cela, on a vraiment une vision des acteurs de la société civile sur le gaspillage et la sobriété. Maintenant, vraiment sur le rapport à l'objet, etc. Alors, il y a aussi d'autres chapitres qui sont écrits par des universitaires sur l'emballage, sur la mode, les vêtements, etc. Donc, oui, il y a quelques éléments de réponse dans ce livre-là. Sinon, effectivement, ce n'est pas du tout pareil pour faire la publicité, parce que c'est un peu bizarre de parler de son livre qui va sortir, etc. Bref. Mais en fait, voilà, j'ai écrit en ce moment, je finis un livre sur la sobriété avec ce prisme des relations à l'objet, du consommateur, des pratiques. Et puis pas mal d'études qui ont été faites sur ces thèmes-là et qui va sortir effectivement en septembre. Mais là, je le veux, entre guillemets, vraiment démocratiser à tout le monde. Là, je me déplace de mon rôle d'universitaire pour parler à tout le monde parce que de toute façon, sinon, je n'aurais pas écrit ce livre. Donc voilà, donc là, je détaille vraiment ces relations à nos objets. Voilà, donc pour synthétiser, il y a effectivement quelques éléments de réponse quand même, du gaspillage à la sobriété, mais je pense qu'il y en aura plus sur le prochain qui se veut vraiment vulgarisé vraiment pour tout un chacun. Bon, ben, on pourra te réinviter pour en parler dans quelques mois. Alors. Cécile, est-ce que tu as des recommandations de lecture? Alors moi, j'ai qu'un livre, je suis dans la sobriété de la publication, en tout cas pour l'instant. En revanche, moi, je m'appuie beaucoup sur les travaux de Philippe Moati, que je cite pas mal dans le livre. Donc, je vous invite à aller voir si ces sujets vous intéressent, parce que lui, il travaille pour un institut qui s'appelle l'Obsoco, qui fait des choses très intéressantes dans ce domaine-là. Et puis,
Est-ce que vos livres sont post-facés en invitant à les revendre d'occasion? Mais bien sûr, n'hésitez pas, vous en faites ce que vous voulez, de vivre leur vie. Et j'avais, pardon, juste Fleur, il y avait une question. Et oui, il y avait une autre question. Je peux une question La question de Yannick. Oui, non, mais Yannick pose une question intéressante sur finalement, c'est quoi l'étape d'après une fois qu'on. On dit bah, on pourrait entrer dans une société de consommation. Déjà, pour moi, déconsommation, ça ne veut pas dire décroissance. En gros, c'est pour ça que je me sens bien sur la déconsommation matérielle, parce qu'en fait, on peut imaginer finalement d'autres leviers de croissance que la consommation matérielle, donc notamment la consommation immatérielle, ou alors enfin, voilà, la consommation de services. Moi, il y a un modèle que je trouve très stimulant, qui est celui d'économie de fonctionnalité. Donc, c'est de dire justement, les entreprises ne vous vendraient plus vos vêtements, mais... elle vous vendrait un forfait mensuel, comme ce qui se fait déjà. Il y a certaines boîtes qui le proposent déjà. Et donc, tous les mois, vous recevez votre petit package de vêtements et puis vous pouvez changer, etc. Donc, il y a des alternatives. En gros, ce que je veux dire, c'est que la déconsommation, ce n'est pas forcément le retour au Moyen-Âge comme on peut le présenter parfois, mais c'est plutôt inventer un autre modèle de société qui soit plus durable, plus cohérent à la fois avec ces enjeux écologiques qui sont quand même en train de tomber dessus. Et puis voilà, ces aspirations aussi à mettre, enfin, à accorder moins de place à la consommation, à la mettre moins au cœur de nos vies. Et quand Valérie disait, enfin, moi je trouve ça hyper parlant, j'achète parce que je m'ennuie finalement, j'achète parce que je sais faire que ça, ou parfois Donc, je pense que ça, c'est vraiment des choses à questionner dans notre société. Est-ce qu'on veut ça? Enfin, est-ce qu'on veut passer nos vies à acheter? Est-ce qu'on n'a pas mieux à faire? Est-ce que voilà, on ne veut pas penser d'autres choses? Et donc, pardon, je dérive sur la question de l'économie. En tout cas, oui, c'est assez intéressant parce que quand on tire les fils, en tout cas, c'est ce que je me suis amusée à faire. Ben, c'est vrai que si on sort de cette logique de ben, il faut travailler plus pour gagner plus, pour consommer plus, ok, donc je consomme moins. Du coup, j'ai moins de choses chez moi. Je peux même avoir un logement plus petit parce que finalement, bah, je l'ai bien vidé et puis ça me sert à rien d'avoir autant de place. Donc voilà, je peux gagner moins, voire je peux travailler très très peu parce que, enfin, je caricature. Hein, à nouveau, je tire la logique au bout, mais ça pose quand même pas mal de questions sur l'ensemble de systèmes dans lequel on vit. Et est-ce qu'on peut pas chercher un peu des marges de liberté pour Alors, à nouveau, je caricature et ça ne concerne pas toute la population, mais même les populations les plus précaires dont parlait Valérie tout à l'heure, elles sont un peu enfermées dans cette logique-là. Elle le disait, c'est totalement vrai. C'est finalement les plus précaires qui se refusent à acheter d'occasion. Donc, c'est eux qui vont un peu s'enfermer dans du renouvellement de l'achat neuf qui coûte plus cher. Enfin, moi, je suis frappée, hein, pardon, je dérive encore, mais j'habite dans la ville la plus pauvre de France, où effectivement, l'occasion, c'est un tabou. Les gens jettent des trucs en très bon état, etc. Donc, ils achètent toujours plus et donc, ils dépensent beaucoup d'argent, de l'argent qu'ils n'ont pas. Donc, je pense qu'il y a quand même des mécaniques qu'on pourrait repenser pour vivre tout aussi bien, mais en dépensant un petit peu moins. Voilà, j'arrête là. Valérie, tu souhaitais réagir sur ce sujet? Peut-être juste un point sur effectivement, je pense qu'il y a la formation aussi il y a un rôle. Voilà ce qui est fait ce soir ou alors des universités populaires. Nous à l'université, effectivement, de créer des cours. Moi, j'ai créé un cours parce que moi dans mon champ de rattachement, c'est le marketing. Donc vous pensez bien que voilà, il y a pas mal de choses à faire. Et en fait, voilà, de créer des cours marketing sobriété, par exemple, j'ai créé un cours là-dessus. Et voilà, de faire prendre conscience en fait déjà aux jeunes qu'on forme. Et même évidemment dans les petites écoles, etc., mais il y a plein de choses d'ailleurs très très bien qui sont faites déjà dans le primaire, etc. Mais voilà, ça j'y crois. Et puis moi, ce que j'adorerais, c'est des universités populaires, plus d'universités populaires où on peut parler de ces sujets, où on peut s'informer, on peut rencontrer des gens, on peut être voilà, stimulé par des démarches, avoir envie de. Et alors, vous allez me dire, oui, il faut du temps, etc. Alors, c'est vrai, oui, c'est vrai, il faut du temps. Mais vous voyez, comme là, maintenant, avec ces outils dématérialisés, finalement, est-ce qu'on ne peut pas justement surfer sur sur ça? Est-ce que tout le monde aurait été là ce soir si on avait dû se déplacer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a il y a plein de choses à faire, effectivement, sur la formation pour la prise de conscience. Et puis après, sur la réflexion, chacun, on est tous bourrés de petits talents. On sait tous faire plein de choses. Alors donc, effectivement, peut-être à exploiter pour... que la consommation ne vient pas, comme l'a dit Cécile, au centre, ne reste pas au centre de notre vie quelque part, enfin je caricature là encore, mais voilà, mais finalement qu'est-ce que j'aime faire, c'est quoi mon essentiel, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais qui ne passe pas forcément effectivement par le fait de consommer, ou de moins consommer, ou de consommer pour faire des choses, effectivement.
D'accord. Merci beaucoup. Alors, si vous souhaitez dire un petit mot de conclusion, je vous relaisse la parole. Et sinon, on va en tout cas bientôt s'arrêter. Je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres questions, si je ne me trompe pas, plutôt des réactions, des débats en fait, hein, en parallèle sur le fil des discussions. Un petit bémol apporté par Jörg sur le sujet de l'économie de la fonctionnalité que je rejoins un petit peu parce que c'est un peu comme l'économie collaborative, il y a aussi beaucoup de promesses et après, quand quelques années de recul, on essaye de mesurer l'impact, c'est pas si évident que ça, qu'il soit positif. C'est comme finalement comme l'achat d'occasion, hein, il peut y avoir des effets rebonds, des effets pervers, etc. Mais globalement, beaucoup de remerciements. Que je vous relaie et auquel j'ajoute les miens. C'était très, très intéressant de pouvoir décortiquer un petit peu ce sujet avec vous. Donc, merci encore de votre temps. Et je vous merci laisse, à vous. Bien sûr, ajouter quelque chose si vous le souhaitez. Moi, je dirais juste un dernier point. Enfin, moi, je crois évidemment beaucoup à la sobriété. Et juste un petit point, ce que j'ai vu, quelqu'un avait dit, ouais, on peut aller se balader dans les bois. Et actuellement, je travaille beaucoup sur la ruralité et je vois des choses incroyables, une énergie des citoyens qui sont en ruralité, qui font des choses extraordinaires, je trouve. Il y a une énergie quand même qui est énorme et qui passe justement par la déconsommation, mais presque, j'ai envie de dire, pas forcément volontaire, presque. Il y a les épiceries solidaires, il y a plein de choses. Et voilà comment on apprend les uns les autres. Et voilà, donc c'est pour ça que je pense que oui, il y a certainement plus d'initiatives finalement ou d'énergie qui se déploient aussi sur différents territoires. Voilà. Et merci donc pour aussi vos questions, parce que c'est aussi vos questions qui nous renvoient des choses extrêmement intéressantes. Donc merci aussi pour vos questions. C'est toujours extrêmement enrichissant pour nous d'avoir vos questions. Merci à tous et à toutes. Merci à tous, patron Clément, pour ma part. D'accord. Eh ben, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée et à bientôt pour une prochaine conférence. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, merci. Au revoir.